santé des mineurs. Qui les amuse? Et si on parlait un petit peu des différentes appellations qu'on peut trouver dans le monde du whisky, que ça soit single malt, single cask, blended grain, blended malt, rye, bourbon, toutes ces appellations n'auront plus aucun secret pour toi après cette review liquid. En fonction de la zone géographique, les céréales utilisées, différents types d'alambics, les fermentations, le type de fût, l'appellation whisky est très 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 vaste. Et on va justement parler de toutes les appellations, en tout cas une bonne partie de toutes les appellations qu'on peut trouver dans le monde du whisky. Pour commencer, on distingue plusieurs appellations, commençant par single. Alors, les single malt, comme ici le Springbank 10 ans, Kilcullen 8 ans brut de fût, ou encore le Glenallachie 12 ans, sont des single malt. Single malt, qu'est-ce que c'est? Donc single malt, c'est un whisky qui provient d'une seule distillerie et qui est produit à partir de céréales maltées. Alors, dans ce cas-ci, ce sont des gammes régulières, donc c'est-à-dire que pour le Springbank 10 ans et le Glenallachie 12 ans, chaque année, on va essayer d'avoir toujours le même assemblage pour réussir à avoir le même profil aromatique, que ce soit au niveau nez ou bouche. Pourquoi? Pour avoir vraiment une gamme qui, chaque année, sera la même. Un peu comme des assemblages, je pense voir l'exemple du monde du champagne, où vous avez le champagne souvent brut, traditionnel, qui a les mêmes arômes tous les ans, et puis les champagnes millésimés, où là, ce sont des années un peu plus exceptionnelles, où on va mettre en avant vraiment l'année. C'est un peu le même principe pour le monde des whiskies, sauf qu'on ne met pas en avant l'année de la céréale, mais on met plutôt voilà, en avant un fût qui aurait été mis en barrique de Porto, ou des fûts un peu plus d'exception, pour arriver sur des vintage, où là, ce ne sont que des assemblages de whisky qui proviennent d'une distillerie et d'un seul même millésime. Ici, le 10 et 12 ans sont des assemblages de whisky qui ont un minimum de 10 ans d'âge, et on peut avoir dans l'assemblage du 11 ans, du 12, mais on met toujours l'âge du plus jeune produit sur l'étiquette et sur la bouteille. Puis ensuite, on peut trouver les single grain. Single grain sont des whisky qui proviennent de céréales, souvent non maltais, c'est souvent le maïs qui est mis en avant. C'est de plus en plus qu'on commence à en voir. Les single grain, avant, c'était les whiskies de grains rentrés dans la composition, souvent des blends, pour arrondir et adoucir l'ensemble. De plus en plus, on a remarqué qu'au niveau aromatique, les vieux grains étaient juste exceptionnels. Rond, gourmand, moelleux, ce côté crème au beurre, crème vanille, c'est vraiment pâtissier à souhait. Moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. J'ai choisi un de mes derniers coups de cœur en matière de single grain, qui est un Invergordon 44 ans, réduit naturellement, donc avec le temps, à 48,5%. Donc, on est sur un brut de fût, où il n'y a eu aucun ajout d'eau dans le produit pour redescendre le degré. Puisqu'il y a aussi ça comme appellation dans le monde du whisky, c'est les cash strength, ou les brutes de fût, où là, ce sont des embouteillages en fait au degré naturel, donc à la sortie du vieillissement, quand on met en bouteille, on ne réduit pas avec de l'eau pour arriver à un degré plus bas souhaité. Que ce soit pour les 46 degrés ou les 40 degrés, les whiskies à 40, souvent qui sont très jeunes, sont réduits avec de l'eau paisiblement pour vraiment arriver à quelque chose de beaucoup plus accessible, standardiser le produit et évidemment toucher un spectre de consommateurs beaucoup plus important par rapport à un Invergordon 44 ans qui est déjà à un prix relativement élevé, même si pour 44 ans d'âge ça va encore. Juste trois chiffres. Et donc voilà, vraiment pour une qualité vraiment juste exceptionnelle au niveau arôme, les brutes de fût, moi je préfère, parce qu'on a vraiment et on garde vraiment le jus qui était contenu dans le fût, sans y ajouter d'eau pour diluer ou perdre des arômes finalement en chemin. Je parlais de millésime, le Dinston 2008, c'est un bel exemple. C'est uniquement des whisky de l'année 2008 qui ont vieilli intégralement en fût de Bordeaux. D'où cette belle couleur aussi rosée. Dans d'autres appellations single, on a les single casques. Les single casques, on a bon, ici des produits dont là je suis plutôt fier, puisque c'est mon premier embouteillage de whisky 100% watch smell taste. Je suis parti donc en Écosse à Pidlochry exactement pour faire une sélection d'un fût. Donc un fût, c'est quoi? C'est un single cask, donc un produit qui est embouteillé et qui a vieilli
toute sa vie dans un seul fût, qui n'a pas été mélangé, comme dans le cas du Springbank 10 ou du 12, qui sont des assemblages de plusieurs fûts, celui-ci provient d'un seul fût. La force de chez Signatory, j'adore ça chez eux, c'est d'indiquer tout sur la bouteille. Habituellement, les single casques, ils le font presque tous aussi, mais là, la transparence est totale. 7 ans d'âge, distillation le 21 juin 2010, mis en bouteille le 23 avril 2018, maturation dans des fûts de Bourbon, fût numéro 700379 et combien de bouteilles sorties? 212, qui était uniquement disponible chez What Smell Taste and Having Fun, et voilà. Très fier d'avoir eu la chance d'y aller. D'ailleurs, cette année, j'ai refait une petite sélection. Et vous m'en direz des nouvelles, ça arrivera pour avril 2019. Un autre type de single cask, Cooper Choice, superbe maison que j'apprécie beaucoup. Ici, il y a le cask Carabray. Voilà, ici, il a indiqué une des 370 bouteilles sorties. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment des produits uniques. Les single casks sont des produits des millésimes, souvent qu'on met en bouteille pour leur qualité aromatique et les saveurs que vous pouvez avoir en bouche. On est vraiment souvent, pour moi, des produits d'exception. C'est vrai que les prix sont souvent un peu plus élevés, même si on peut trouver sur des rapports qualité-prix, sur des single casques un peu plus jeunes, assez dingue. Donc ça, c'était vraiment pour la partie single. Retenez single malt, assemblage de whisky d'une seule et même distillerie produit à partir d'orge maltée. Vous avez les millésimes, qui sont aussi des single malt, donc d'une seule distillerie, mais qui sont des assemblages de whisky d'une même année. Single grain, whisky de grain, principalement du maïs dans la composition et qui proviennent d'une seule distillerie, et single cask, pareil, une seule distillerie, du malt, orge maltée, et vieilli dans un seul fût, et non pas des mélanges, donc vraiment single cask, comme les single barrel que je vous expliquerai par la suite aux États-Unis. Ensuite, on remarquera aussi des whiskies sous l'appellation blend. Alors, fouillez pas, coupez pas la vidéo en entendant le mot blend. C'est vrai que le blend, on associe ça souvent au JB, Johnnie Walker, qui pour moi sont juste bons à nettoyer vos vitres ou à noyer avec des glaçons ou du coca. Donc, vous pouvez voilà, remarquer dans le monde du whisky de très, très, très belles qualités en blend, que ça soit chez Compass Box, on peut trouver aussi des blended malt, des blended grain chez Coopers. Enfin voilà, il y a vraiment plein de maisons qui travaillent très bien, mais pour moi, vraiment, mon coup de cœur en assemblage, c'est vraiment John Glazer, donc de chez Compass Box, qui réalise toujours des mélanges assez dingues. On a d'abord l'appellation blend traditionnelle. L'appellation blend traditionnelle, c'est un assemblage de whisky de grains et de malt, donc de céréales non maltées et d'orge maltée, donc souvent du maïs couplé à de l'orge maltée, qui proviennent de plusieurs distilleries différentes. À la différence du single, où là on provient d'une seule distillerie, le blend c'est un assemblage de distilleries différentes et de grains différents. Exemple, Great King Street ici, qui est un assemblage de trois whiskies différents, dont deux maltes et un whisky de grains, donc il a l'appellation ici Blended Scotch Whisky. Pourquoi scotch aussi? Parce que c'est écossais, ça c'est une appellation aussi, on peut en parler, mais vous l'aurez compris, tout whisky avec l'appellation scotch, c'est un whisky qui est fait sur le territoire écossais. Bon, très beau produit avec le blend ici de chez Compass Box, un rapport qualité-prix assez intéressant pour des whiskies faciles, ronds et gourmands. Les blends, souvent, voilà, c'est des whiskies un peu de tous les jours, avec ce grain qui va venir arrondir le côté un peu plus brut et rustique du malt, puisque le blend a été pendant de nombreuses années un produit énormément vendu au moment où il n'y avait pas encore tellement d'amateurs de single malt, donc des produits voilà, beaucoup plus pointus, avec vraiment une transparence et une provenance vraiment unique. Le blend était vraiment le whisky courant de tous les jours. D'ailleurs, c'est ce qui vend le plus à travers le monde. Il y a plus de 90% de production de blend dans des coffres contre un petit 10% de single malt. Donc, ça reste quand même un peu le maître à bord. Ensuite, il y a les blended malt. Les blended malt, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est aussi des whiskies de provenance différente, donc de distilleries écossaises différentes, mais qui sont uniquement issus d'orge maltée. À la différence du blend classique, qui lui, on y ajoute souvent des whiskies de grains, là on n'est que sur de l'orge, mais de distilleries différentes. Bel exemple, ce Flaming Earth,
qui est vraiment superbe, avec un caractère amené par un peu un whisky tourbé, un côté un peu plus rond et gourmand amené par un whisky des Highlands, et donc il trouve vraiment la subtilité et un assemblage qui pour moi est vraiment terrible. C'est un travail de dingue, hein, vraiment d'assembler pour moi, puisqu'il part de produits très différents pour arriver à un équilibre quand même terrible, donc vraiment, vraiment très très fort. Le double single, alors là c'est intéressant, c'est un peu quelque chose d'assez unique, puisque c'est un assemblage d'un whisky de grain et d'un whisky de maïs à 50-50, donc c'est intéressant puisqu'on a vraiment deux produits au profil très différent, assemblés en un, ça te forme un bazar d'une finesse et d'une complexité assez folle. Je vous invite à le goûter d'ailleurs. Comme Passbox, petit reproche, ça coûte du pognon dans ces appellations-là, mais vous prenez toujours pour moi un kiff suprême parce qu'ils arrivent à trouver un équilibre terrible entre chaque whisky assemblé. Ici, on est sur un blended grain. Donc ici, je vous parlais de blended normal, blended malt, blended grain and malt. Et ici, on est sur un blended grain. Donc là, on est sur un assemblage de whisky de grains, de distilleries différentes. Superbe produit, 1982. Alors ce qui est intéressant avec les blended grain et les single grain, je vous ai présenté l'Invergordon, c'est qu'on peut avoir des produits qui sont très âgés pour pot de balle. Alors pot de balle, on se comprend, il y a quand même, comme je disais pour l'Invergordon, trois chiffres, quoi qu'il arrive, mais on a des produits juste d'exception, que si vous deviez trouver ça, un même âge en single malt, là vous auriez quatre chiffres, easy. Ensuite, on part en Irlande, toujours aussi cette appellation single malt est ici reprise en Irlande. Hein. Single malt n'est pas juste pour l'Écosse, on peut faire du single malt partout à travers le monde, tant que c'est 3 ans de vieillissement dans des fûts de chêne utilisés et uniquement issu de l'orge maltée. Donc on fait des single malt aussi en Irlande, sauf qu'eux, ils ont une petite appellation supplémentaire qui s'appelle les single pot still whisky, où là, en fait, on est sur des produits, encore une fois, d'une seule distillerie, issus pour le coup, de 50% d'orge maltée et 50% d'orge non maltée, et ensuite distillé dans des alambics pot still trois fois. Voilà, ça c'est une appellation vraiment propre à l'Irlande, avec sa red breast qui est juste une petite gourmandise, ces notes un peu de noix de coco, très fruits exotiques, un peu orangées, orangettes, c'est d'une complexité qui a un bois qui est juste merveilleusement équilibré. Ça, je vous invite à goûter Red Breast 21 ans, c'est vraiment sublime. Les amateurs de rhum adorent ce genre de choses, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus exotique par rapport aux maltes écossais qui sont un peu plus robustes. Ensuite, on va partir chez nos amis à Merlot, puisque là aussi, il y a de très très belles appellations. Alors, comme pour le blend, ne fouillez pas, aux États-Unis, il n'y a pas que le Jack and Four Roses. Il y a vraiment une multitude aux États-Unis de micro-distilleries qui poussent vraiment partout. C'est assez dingue, un peu au même titre que les micro-brasseries, où il y en a une qui ouvre tous les jours aux États-Unis. Bon, il n'y a pas une micro-distillerie qui ouvre tous les jours aux États-Unis, mais il y en a énormément. On revient vraiment avant la prohibition, où il y avait vraiment une multitude de distilleries en activité. Ben voilà, aux États-Unis, l'appellation la plus connue reste le Bourbon. Le Bourbon qui est de base produit dans le Kentucky, qui maintenant peut être produit dans tout le pays, est un alcool whisky produit à partir donc de maïs à 51%, ça c'est la règle, et les 49%, soit au complet avec du maïs et on fait à 100% corne, soit on peut compléter avec du blé, du malt, du rye, et chaque céréale amenée va amener sa typicité au maïs. Donc un whisky de maïs qui va être couplé avec un peu de seigle, on va avoir une finale un peu plus sèche en fin de bouche, le blé va amener un peu plus de rondeur, puis c'est un peu le cousin du maïs, au niveau aromatique bien sûr, l'orge va amener un peu plus de richesse, un peu plus de caractère, donc c'est intéressant, il y a vraiment une possibilité assez large et assez vaste au niveau de l'appellation du Bourbon. Et en plus donc des 51% minimum de maïs de la compo, il faut que ça soit vieilli 2 ans minimum dans des fûts de chêne neufs. Fûts de chêne neufs, puisque c'est assez intéressant en Écosse ou autre, on est obligé de faire vieillir dans des fûts de chêne qui ont déjà été utilisés. C'est là qu'ils s'entendent très bien, puisque les Américains, dès qu'ils ont utilisé leur fût une fois, ils sont obligés de le revendre. À qui ? Forcément, dans ce cas-ci, aux Écossais.
ou autres Irlandais qui ont besoin de fûts utilisés. C'est pour ça que dans le monde du whisky écossais, il y a beaucoup de whisky vieilli en fûts de Bourbon. Alors, on remarquera ici, bon, ça c'est juste une merveille qui vient d'arriver au shop, c'est le George T. Stagg de chez, donc chez la maison, la distillerie Buffalo Trace, Antique Collection, qui sont juste des merveilles sorties annuellement. Des vieux bourbons, il faut savoir que souvent les bourbons qui ont plus de 20 ans, il y a fût de chêne neuf qui est quand même assez présent, ils arrivent à trouver un équilibre assez dingue pendant le vieillissement, non filtré, non coupé, donc on est sur un produit à 64,6%, ça c'est juste une dinguerie. Puis après, bah, pour vous montrer aussi qu'on produit des bourbons ailleurs qu'au Kentucky, qui est le berceau, mais on est à New York, première distillerie à réouvrir dans l'état de New York depuis la Prohibition, chez Hudson, le long de la Hudson River, avec une caractéristique où ils mettent des caissons de basse dans les chais de vieillissement pour accélérer le vieillissement, puisqu'ils ont remarqué que la vibration en fait amenait au whisky voilà, un contact beaucoup plus important avec le bois, puis c'est des plus petits fûts aussi, donc c'est assez fou. Donc c'est ça aussi aux États-Unis, à ce côté aussi un petit peu plus dingue, c'est de faire des tests et des choses un peu différentes. Après aux États-Unis on remarquera aussi l'appellation Rye, R-Y-E, Rye Whiskey, où là on va être sur des whiskies qui sont faits à partir de seigle maltais ou de seigle non maltais. Les whisky de seigle, donc pour avoir cette appellation-là, c'est le même principe que pour le bourbon, sauf que c'est 51% de seigle dans la compo contre 49% autres, que ce soit du maïs, du malt, ou aussi du 100% seigle, pour avoir un straight rye whisky. Très intéressant le whisky de seigle, puisqu'on va avoir un côté beaucoup plus sec, plus poivré, on est vraiment sur les épices. Puis bon, on produit un peu d'exception d'OVNI, Sonoma ici, produit donc dans la vallée de Sonoma en Californie, qui va vraiment avoir un caractère très eau de vie de fruits au nez, côté très mirabelle, très fruité, avec en bouche côté très sec, très dry. Alors le whisky de sec, il faut savoir qu'avant c'était uniquement utilisé en cocktail, et c'est assez étonnant parce que on est sur des produits, moi je trouve vraiment vraiment terribles, et il a fallu vraiment des années avant que le seigle ait vraiment une notoriété de dégustation pure. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant, n'hésitez pas à goûter, c'est un peu plus sec, un peu plus épicé que le bourbon. Donc c'est pour ceux qui veulent venir de l'Écosse et commencer aux États-Unis, s'ils ne veulent pas la rondeur et la douceur du bourbon, le seigle est vraiment top. Puis après on a les West Whiskey, où là c'est des produits faits à partir de 51% de blé, et encore une fois, les 49%, on fait ce qu'on veut, ou 100% blé. Toujours vieilli 2 ans dans des fûts de chêne neufs, avant d'avoir l'appellation whisky. Très sympa aussi, puisque là, on se situe vraiment entre le bourbon et le whisky de seigle. Un bel équilibre entre le côté plus sec, poivré, et le côté plus rond, vanillé, boisé du bourbon. Ici, on est chez Dryfly, dans l'état de Washington, à Spokane, où là, on fait un 100% blé. Donc on est vraiment sur un straight West whiskey, très sympa à 60%, qui peut rappeler certains arômes qu'on peut avoir développés avec un fût de sherry. Sans fût de sherry, c'est assez dingue. Et puis après, on a un peu des hors catégories. Ça qui est intéressant, aux États-Unis, ils font un peu de tout. Le premier American Single Malt, donc qui est reproduit à partir de 100% d'orge maltais américain. Donc là, on est sur un produit qui est... Bon, il n'y a pas l'appellation... single malt traditionnel qu'on peut avoir un peu à travers le monde, puisqu'ici on a une partie de vieillissement dans des fûts de chêne neufs. Ils ont utilisé aussi des grains très torréfiés pour amener un côté vraiment un peu plus dessert, plus café, noisette, c'est vraiment très sympa aussi dans l'état de Washington. Ou alors ce genre de choses, comme Koval, où là on est un plaqueur de Chicago avec un single barrel, j'expliquais, un single cask ici tout à l'heure. Côté voilà, un seul fût, bah, c'est pareil, ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais sous l'appellation single barrel, c'est le même principe. Bouteille numérotée, fût numéroté, et ici on est sur un assemblage de 4 grains différents, d'où l'appellation four grain. Avoine, blé, orge maltais et seigle dans la compo, et c'est vraiment une petite tuerie d'équilibre. Donc voilà, vous remarquerez que au niveau du whisky, il y a plein d'appellations différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi, tout le monde peut trouver son bonheur dans le whisky. Donc quand on me dit « Ah non, moi j'aime pas le whisky », c'est de la blague. Viens un petit peu voir tonton et je te ferai aimer la céréale.